Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Sa louange sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez. Regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez. Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens.
Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé en vue de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous plein de générosité, plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus avait dit, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous, personne ne peut venir à moi » si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Alors, ce que j'aime bien dans cette page d'évangile, c'est que ça commence mal. D'ailleurs, vous pouvez rendre grâce à Dieu parce que finalement, cette messe et cette homélie pourraient mal commencer, auraient pu mal commencer parce que j'ai écouté l'enseignement du Père Paul et puis je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas forcément bien compris tout l'enseignement, mais il y a eu un moment, j'ai eu une envie assez forte et contraignante d'aller acheter des cornflakes. Et j'ai compris que peut-être ce n'était pas un acte de liberté que de fuir la responsabilité de cette homélie pour aller faire des courses. Oui, alors cet évangile commence mal. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Vous avez peut-être remarqué que depuis 15 jours, nous entendons l'évangile de Saint Jean. Nous avons entendu d'abord la multiplication des pains, et puis nous avons commencé le discours sur le pain de vie, au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Et puis nous l'entendrons encore pendant 2 semaines, je vous préviens, de ce qui va se passer les dimanches suivants. Et justement, dans ce discours sur le pain de vie, à chaque nouvelle étape du discours que nous avons réparti selon les dimanches, à chaque nouvelle étape, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il y a un problème, il y a une question, il y a une résistance, il y a une difficulté. La semaine dernière, pour ceux qui ont une bonne mémoire, face au discours de Jésus, son auditoire le met à l'épreuve en lui demandant un signe pour pouvoir croire. On peut se dire pourquoi pas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils sortent juste de la multiplication des pains. Vous vous souvenez du signe? 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et il devait y en avoir, parce qu'il y en a toujours dans les célébrations. Et des corbeilles avec les restes, vous vous souvenez? 12. Et juste après ça, il dit, nous, on aimerait un signe pour croire. Et cette demande s'apparente tout à fait à une mise à l'épreuve, à un défi lancé à Jésus. Aujourd'hui, le texte commence par des récriminations. Dimanche prochain, les Juifs, qui dans la bouche de Saint Jean signifient surtout les chefs et responsables des Juifs, vont se quereller entre eux. Et alors le dimanche suivant, le dernier de la série, ce sera le sommet. Ce sont les disciples qui vont récriminer, jusqu'à même imaginer d'abandonner Jésus, de retourner en arrière. Et certains vont effectivement quitter Jésus, trouvant ses paroles insupportables. Alors ce qui est étonnant, ce n'est pas simplement qu'à chaque étape, il y ait comme une espèce de résistance, de difficulté, mais que Jésus reprend son auditoire là où il se trouve à chaque fois. À chaque fois, Jésus accueille, prend en compte l'objection, tient compte de la résistance de son auditoire, pas toujours en répondant directement, mais toujours pour le conduire plus loin, pour le conduire sur un chemin de vraie liberté et pour révéler toujours plus profondément qui il est, lui, Jésus. Revenons à la récrimination de ce jour. Il récriminait contre Jésus parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel ». C'est étonnant, enfin, vous, je sais pas, ça vous fait récriminer quand je dis ça? Non, je vous vois pas trop récriminer là, non? Parce qu'on est habitué peut-être.
Mais quand on n'est pas habitué et qu'on entend Jésus dire « Je suis le pain vivant descendu du ciel », eh bien, ça pose question. Ça peut donner envie de murmurer avec son voisin « Qu'est-ce qu'il nous raconte ?» de récriminer. Alors, les récriminations, elles ne datent pas de l'évangile d'aujourd'hui. Je ne veux pas dire que la Bible est pleine de récriminations, mais il y en a. Non ? Et les tentations qui marquent l'auditoire de Jésus tout au long de ce discours sur le pain de vie sont les mêmes qu'on trouve par exemple dans le récit de l'Exode pendant les 40 ans passés au désert. Ce sont exactement les mêmes. Mise à l'épreuve de Dieu, murmure, récrimination, querelle à l'intérieur de la communauté, tentation d'abandonner et de retourner en arrière. Ce sont les mêmes. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes aujourd'hui. On trouve toujours aujourd'hui ces tentations de résistance, de récrimination, de murmure, de mise à l'épreuve de Dieu, de découragement, de fatigue, de tentation de retourner en arrière. On trouve ça chez des gens très bien. Par exemple, le prophète Élie, à qui a été confiée une mission importante, qui le sait, et puis qui à un moment, devant les vents contraires, devant les persécutions, devant les jugements, devant les dangers de cette mission, est complètement découragé, fatigué. Il faut quand même être assez découragé pour dire au Seigneur, c'en est trop. « Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et Dieu vient rejoindre Élie, là où il est, dans sa fatigue, dans son découragement, dans son désespoir, dans son « à quoi bon vivre ?» Quel est le sens de tout ça ? Et le Seigneur vient le réconforter et lui proposer tout simplement la nourriture pour la route, la nourriture pour aller plus loin. Debout, mange, sinon le chemin sera trop long. Alors le Seigneur aujourd'hui nous accueille comme Élie, comme nous sommes. Alors forcément, on est différents. Il y en a qui attendent ce forum des jeunes depuis si longtemps, qui sont tout frétillants à l'idée de ce que le Seigneur va faire pendant ce forum, qui sont tout prêts à se laisser surprendre, simplement il faudra qu'ils acceptent d'être vraiment surpris. Et puis il y a d'autres qui se souviennent que l'année dernière, au même forum, il s'était passé des choses fantastique, merveilleuse, genre multiplication des pains, multiplication des grâces, et qui se disent et si cette année il y avait un nouveau signe époustouflant pour croire davantage, pour commencer à croire vraiment. Et puis il y en a peut-être d'autres qui savent pas trop pourquoi ils sont là, et puis qui, peut-être, ont commencé depuis hier soir à murmurer. J'ose à peine le dire, mais c'est possible. Apparaît, au moins au début, on murmure un peu. Peut-être même qu'il y en a qui ont commencé à récriminer. Vous savez, apparaît, il y a plein d'occasions. Vous voulez que je vous en donne ? Non. En fait, vous les savez comme moi. Puis il y en aura peut-être encore quelques-unes. Peut-être même il y en a qui se sont querellés. Alors, ça commence parfois avant le départ de la maison. Ça se poursuit pendant, et parfois ça peut se prolonger un peu au début. Et puis peut-être certains qui déjà sont tentés de retourner en arrière. Vous voyez, ces tentations sont toujours les mêmes.
Et pourtant, saint Paul nous dit, dans la deuxième lecture, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et ce qu'on peut se dire, mais comment on pourrait attrister le Saint-Esprit ? Voilà ce qui doit être éliminé de votre vie. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte. Voyez, on tourne toujours un peu autour des mêmes difficultés, des mêmes résistances, des mêmes tentations. Alors là, c'est par palier, hein, ça commence par l'amertume, irritation, colère, là j'arrête, parce que c'est éclat de voix, insulte. Mais ça commence par une toute petite amertume qui vient sans prévenir et qui habite notre cœur. Mais comment répondre à cette invitation de l'apôtre à éliminer de notre vie toutes ces petites choses-là qui nous empoisonnent et qui sont comme des obstacles sur le chemin où Dieu nous invite? Comment faire? Rappelons-nous où nous sommes en cet instant. Nous sommes devant le Christ présent au milieu de nous, comme il s'est rendu présent au soir de Pâques devant ses apôtres rassemblés. Et le Christ nous ouvre grand les bras. Qui que nous soyons, quelle que soit notre humeur, nos questions, nos résistances, nos découragements, nos fatigues. Pardonnez-vous les uns aux autres, nous dit l'apôtre Paul, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Si pendant ce forum nous voulons apprendre à pardonner, saint Paul nous dit alors, faites l'expérience du pardon que le Christ vous offre. Si pendant ce forum nous voulons apprendre à vivre comme les enfants bien-aimés de Dieu, saint Paul nous dit alors cherchez à imiter Dieu. Alors si nous voulons l'imiter, il va falloir le regarder, il va falloir l'écouter, il va falloir apprendre à vivre en sa présence. Et si nous voulons apprendre à aimer pendant ce forum, saint Paul nous dit, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Voilà ce que Jésus nous promet pour ces jours que nous voulons passer avec lui. Ne nous laissons pas arrêter par ces tentations qui peuvent habiter à un plus ou moins grand degré nos cœurs, mais écoutons-le nous promettre dans l'évangile de ce jour, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Prions. Prions les uns pour les autres, pour qu'au cœur de ce forum, nous soyons tous instruits par Dieu lui-même. Qu'il vienne lui-même parler à notre cœur, qu'il vienne lui-même nous réconforter en nous donnant le pain de la route dont nous avons besoin pour poursuivre notre marche, qu'il vienne nous guérir de nos découragements, de nos récriminations, de nos tentations d'abandonner, ou de revenir à des sécurités seulement humaines. Oui, que Dieu vienne nous instruire lui-même. Et le grand moment où Dieu nous instruit, c'est l'Eucharistie. Personne ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors Père très bon, Père riche en miséricorde, attire-nous pour que nous puissions venir vers Jésus,
pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions reconnaître en lui le pain vivant qui est descendu du ciel, pour que nous puissions goûter et voir comme le Seigneur est bon. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. »